Et oui, coucou les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Mister Ghost, une chaîne exclusivement Lego au 100% du jeu comme d'habitude. Et bien entendu, j'espère que vous êtes bien installés car derrière on est parti pour le quatrième gameplay de DC Super Vilain. Et nous on va y aller de suite, on va aller voir un peu ce que ça donne. D'ailleurs j'ai un petit croquis peint ici, on va aller voir. Oh bah j'en ai encore une petite partie à faire ici. Eh ben on repart sur du monde hein, ouvert, du open world. Bon, peut-être pas le même emplacement, mais derrière... ou peut-être pas le même... Oula, je sais pas où je suis parti, mais je me suis embarqué dans un petit galère. Ah, faudrait peut-être monter à l'échelle. Donc, voilà, ça c'est cool. Et on est arrivé, mes amis. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Aucune visite aujourd'hui, ni jamais en fait. Nous ne sommes pas aussi souples qu'à Striker. Nous menons notre barque d'une main ferme. Et je ne vous parle pas d'un petit bateau, non. A plus! Je vous rapporterai un souvenir! Et que personne ne touche à mes affaires en mon absence, hein? C'est encore un détenu? C'est le troisième aujourd'hui. J'ai quel bouton pour les lasers? Ok mes amis, et eh ben on est revenu ici et on va aller voir pour faire la petite la petite plaque avant de se faire défoncer par le laser. X voilà. Ah bah d'accord, ok. Alors Je ne peux pas rester de glace devant ce genre de tâche. À mon avis c'est le laser qu'il faut toucher, non? Non, c'était pas le laser. On nous indique ceci à faire. Ah bah ça serait peut-être en hauteur, regardez. Ouais, peut-être, non? Voilà, c'est fait. Eh ben, on va continuer dans le petit... Je suis Amanda Waller. Bienvenue à la prison de Belrêve. Vous aviez vos petites habitudes déambulatoires, Striker. Mais croyez-moi, vous ne quitterez pas notre établissement si tôt. Bon, bah, ça promet. On va aller voir pour eux. D'abord... Allez-y, hop, je t'en vais. Je vais te mettre un petit coup de rayon laser ici. On va voir, ça marche pas. Ça ne marche pas, désolé. Donc, il faut taper à la main directement. On va déjà défoncer cette petite grille là, voilà. Mais tu vas arrêter de me frapper. Oh. Petite pièce bleue pour le monde. Ben voilà, hop. Et. Faut arrêter hein, quand même, sérieux, il va falloir arrêter un petit peu de me frapper comme ça. Je voudrais aussi faire mon petit gameplay. On a quelque chose ici. Enfin, je sais pas ce que c'est. On va y aller. On verra. Alors là. Eh, vous rendez compte que c'est la policière qui m'a frappé, qui m'a mis ses claques. Alors, on va appuyer sur le petit bouton, ça va nous donner un ascenseur. Et. Bah, je. Bah, ok. Alors, il m'a laissé ici tout seul. Oh. Oh, je me serais peut-être trompé de bouton, les amis. D'accord, ok. Allez, vas-y. Éteins-toi. Éteins-toi. Ok. Ah non, il s'est pas éteint. Voilà, ça devrait être bon là maintenant. Et là, c'est le carré. Voilà, le carré ici. Voilà, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Et oui, bah oui. Quand on se trompe de bouton, bah, là, ce qui arrive, hein, mes amis. J'ai pas réfléchi à ce point-là. Vous deux, vous devez bien avoir une idée pour ouvrir cette porte. Et voilà les amis, regardez ce qui se passe hein, quand on réfléchit pas, c'est qu'on fait deux fois la manipulation et on fait tout exploser. Et on débloque encore un autre personnage. Oh, et lui il me plaît par contre, avec ses gros guns, il me plaît. Oh. Thank you.
Hop, hop. Ah non, c'est Deadshot, pardon. Deadshot. Eh ben non, on va continuer, on va y aller. Oh, voilà. Eh ben, on sort de là, on va continuer. Ah ouais, mais tu pourrais tirer quand même, hein. Ah bah voilà, tu tiens bien là maintenant. Alors si je prends la voiture de police à votre avis, ça va le faire ou pas? Allez. Non, tu veux pas? Il veut pas me donner la voiture de police. Non mais hé, hey. Oh, vas-y. Nos invités sont partis, nos chers habitués d'autres dans leur cellule. Bah oui, comme ça, moi, je passerai une petite dans la ville. Ah bah oui, hein. Il faut être un petit peu de temps, mais bon, pas trop, hein, parce que pas pour moi, c'est un parce que sinon... La dernière fois que j'ai parlé à Harley, elle voulait aller au jardin botanique de Gotham. Elle s'est peut-être mise à l'horticulture sur son temps libre. Jardin botanique, horticulture. Très bien, passez le temps. Allez, pousse-toi, voiture. Pousse-toi. Bon, j'écrase les piétons. Comme vous avez encore remarqué, j'ai mon permis VL, hein, mais... Dans la réalité, en plus. Oup, hop, hop, hop. Par ici. J'ai une bouche d'aération que je sais pas défoncer. Bon, tant pis. Pas grave, pas grave. Pourquoi ils sont là, les voitures? Pourquoi ils sont là? Franchement. Alors, on va traverser le petit pont. On est à 23 et ça devrait être bon. Hein. Ouais, non, mais pas encore. Hop, on va sortir, on va y aller à pied. Allez, on va rentrer dans la dans la maison avec un. Et puis, c'est notre mission, mes amis. Eh ben, on va y aller. Non, mais je t'ai pas demandé de tirer, je t'ai demandé de faire la mission. Bah, voilà, s'il te plaît. Hey, Louis, on devrait peut-être se rendre au gala de Metropolis. T'en fais pas, Jimmy. Les robes chics et les petits fours attendront. Monsieur White avait pas mis Clark... plutôt Ken Clarkson sur le coup? Si, mais ils auront besoin de la meilleure journaliste de la planète pour découvrir comment le syndicat des justiciers a pu laisser filer deux méchants chez Star Labs. Tu vas me trouver méfiante, mais il y a quelque chose de louche chez les remplaçants de la Ligue des justiciers. Je veux dire que dans le tas, il y a un Deathstorm. Sérieux, c'est quoi ce nom? Quand on aura fini, on ira au gala. Super! Oh, je voudrais surtout pas louper les petits fours. Tu es sûre de ce que tu as vu? Absolument sûre et certaine, Ivy! Les nouveaux ont carrément zappé l'ancienne Ligue des Justiciers. Mais aux infos, ils disent... Oublie ça. Tu piches pas, Rookie. Si nous, on est les mauvais, alors eux, ils sont encore pires. Si Monsieur J était pas coincé à Arkham, il saurait quoi faire, lui, pour arrêter ces bons à rien du tout. Oh, Boîte, tu es tout ce qu'il me reste de mon cher Monsieur J. Ça va aller, ma belle. Tu peux rester ici autant que tu voudras. Je crois qu'elle est là. Salut, ma chérie. Ah, fichue plante. Il y en a plein partout. Sortez. Je te protégerai. Préparez-vous à subir la colère de Mère Nature. Personne ne déracine les amis de Poison Ivy. Bien joué, Boomerang. T'as vraiment le chic avec les gens, tu le sais, ça? Franchement, Boomerang, t'aurais pas pu t'abstenir, charrieux. Ouais, eh ben, il va falloir plus que ça pour se défaire de Poison Ivy. Ah, franchement, là, t'abuses. Tu crois que Killer Frost et moi... Alors, est-ce qu'il faut pas la viser? Ah, bah voilà, il fallait la viser. Vous êtes sûr de vouloir vous battre? Très astucieux. Tu auras moins de chance. Ok. J'ai même pas touché. Est-ce que je parle pas? Mais non. Ok. C'est ça,
Poison, t'es où là? Oh, j'ai un peu tes trucs là, hop. D'accord, ok, alors là ça va pour les bombes. Ça c'est cool. J'aime. Ça, ça va nous donner... Encore une des pecs, pièce bleue quand même, hein. Et on a le troisième qui va arriver. Ah non, ah non, non, non. Là, il va falloir voir pour un autre personnage, je pense. Non, ça marche pas. Peut-être toi, hein. Mais qu'est-ce que tu me fais, toi? L'euro, il est où là? Eh ben, ça c'est cool. Allez, vas-y, c'est bon, on va tirer tout ça. Ça nous fait le grappin. On va esquiver un petit peu aussi la bombe là. Hop. Et... on y tire dessus et ça va nous donner. Vous me le ferez. Un feu de parfum. Une petite libération. Voilà, ce bruit n'a rien de rassurant. C'est quoi cette odeur? Gaz toxique. Vite, tout le monde dehors. Ouais, t'inquiète. Ouais. Alors, on avait libéré cette partie là et on va continuer un petit peu, non? Vous êtes encore là? Vous êtes plus tête que je pensais. Ivy, stop! Tu fais erreur! On n'est pas venu pour... Hé, hey, reviens! Je suis pas sûr que tu t'en sortes mieux que moi, mon pote. Hé, la plante! Ah bah, oh, ça c'est cool. Non. Ah, bah peut-être deux fois il va falloir la toucher. Deux fois. Trois fois, c'est cool. Je vais mettre aussi. Comment est-ce possible? Tu ne portes même pas de gants de jardinage. Mais non, t'inquiète, t'inquiète. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Laisse-moi faire mon petit gant plus tranquille. Allez, un rivaliste avec ton mort. Talent botanique. Ouais, mais si tu me canardes comme ça, ça va pas faire, hein. Il y en a un qui est devant moi. Allez, vas-y. Ou pas, voilà, c'est cool. Des crocos, des crocos. Allez, des crocos. On va récupérer aussi le bonhomme main. On va voir un peu. Avant que je meure, ça serait bien. Ça petit peu. Voilà. Bah toi, tu sais faire aussi la glace. Ah non, c'est pas toi, c'est toi. Ah bah. Eh, tu vas me lâcher, oui. Ah, c'est par contre un marteau, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Bon, c'était pas pour ça, moi, je voulais un truc, un marteau pour casser. Est-ce que j'y arrive, on sera revenu à l'âge de glace. Je vous laisse faire. Et je voulais juste que ça puisse sur le poison rivis pour l'assommer. Espèce d'herbicide sur pattes. Bon, on va peut-être pouvoir... Bon, on va continuer. Oh, le gaz toxique, on bouge. Ok. De la mauvaise haine. Voilà, ça c'est cool. Alors on va essayer de le faire. Fichez le camp. Ah bah voilà, faut se mettre de côté. Ah bah on va se mettre de côté. Allez, vas-y. Oh, maintenant c'est les cactus qui poussent. On va en avoir assez de toutes ces singeries. Vas-y. Ah non, c'est pas toi. Oula. Non, alors vas-y, on va casser tout ça, pour voir. Ah, une autre amélioration, les amis. Oh, ça te promet. Bon, si j'arrive à le choper, hein, parce que ça a pas l'air d'être vraiment le cas. Ouais, vraiment, ça doit être bon, normalement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme amélioration? Est-ce que la recrue vient d'absorber cette énergie? Ouais, ça lui est déjà arrivé. La dernière fois, ça lui a donné des pouvoirs. Super des puissance. Pouvoirs. Ah ouais, nickel. Ça tomberait plutôt bien. Au moins, on va être aussi fort que Superman. Tu crois que tu pourrais t'en servir pour bon, Poison Ivy, l'ami? Bon, maintenant, on va faire continuer l'histoire, hein, directement. Voilà. Ah. Non, mais toi, tu vas me lâcher, ouais. Voilà, on a pris un petit cœur, parce que j'en ai vu beaucoup de cœurs.
Je sais même pas ce que ça va nous donner, mais bon, on va aller voir un peu. On va d'abord casser ça aussi, hein. On fait dans le même style. Et... Tu le veux ou pas? Non. Mais l'autre, il m'a frappé, ça. Ah d'accord, ok, je dois balancer ça là. Allez, je suis un petit peu aveugle. Hein. Allez, voilà. Bim. Bon, il est bon. Ah, ça c'est pour Boomerang. Non, c'est pas pour Boomerang. A mon avis, ça serait pour Deadshot. Alors, il va falloir... Ouais, bah, bien sûr. Construire la plaque. Hein. Alors... Voilà, ça ça devrait être bon maintenant. Oui, nickel. Vous n'avez pas peur bon, de Poison Ivy. Vous êtes des imbéciles. Je suis mort. Mais bon, c'est pas grave. En même temps, allez, on a quand même ici un beau petit creusage à faire. Allez, reste la moto. J'ai un petit cœur là, c'est pour mourir, c'est bien. Voilà, c'est fait. On est tranquille avec elle. Maintenant, on va peut-être se calmer. Qu'est-ce que vous fichez? On est arrivé et cette nana est devenue... La ferme. Ivy, tout va bien? Harley, est-ce que l'un de ces imbéciles t'a dit ce qu'on fait ici? On veut te conduire au journal. On va dénoncer ces nouveaux pseudo-héros. Quoi? Mais vous me croyez? Oui, bien sûr. On a découvert que ces escrocs s'appellent en fait le syndicat du crime. Voilà enfin la bouffonne. Et merci d'avoir fait le sale boulot. Eh ben ça pour le coup, c'était pas prévu. Destor by Ultraman, on a le témoin. On te l'amène. Terminé. Vous vous en tirerez pas comme ça. J'ai la preuve que vous avez zappé la Ligue des Justiciers. Sache qu'en vérité, c'est moi qui détiens cette preuve. Oh, mon téléphone! Maintenant, dis-moi un peu. Et c'est pourquoi j'ai envoyé mes amis te chercher. As-tu fait d'autres copies? Des copies? Non, bien sûr que non. Tant mieux pour nous, alors. En revanche, c'est dommage pour toi. Coucou, les affreux. Est-ce que ça va, Harley? Ça va mieux. Comment vous saviez? Une alliée bien placée. Oh, merci d'être venue me sauver, Catwoman, Captain Boomerang et toi. Je connais pas ton nom. Oh, ce serait pas Metacarp? Ça tirait super bien. Tiens, reprends ça. Ça arrête pas de biper depuis qu'ils t'ont enlevé. Partez, on se quitte d'eux. J'espère que t'as un plan. J'ai une vidéo là-dessus qui prouvera au monde entier qu'ils sont vraiment ces espèces de barjots. Excellente idée, bravo Metacarp. C'est l'occasion rêvée pour une révélation. Et ben voilà les amis. Télé pour montrer au monde ce qu'est vraiment le reliquat du crime. Okay. Essayez de rester discret. Le niveau de sécurité est élevé. Ah, ils peuvent toujours essayer de nous arrêter. Est-ce que j'ai poison Ivy? Ouais, peut-être. Hein. On va voir un peu ce que je peux faire. Non, ça marche pas. Non, ça ne marche pas non plus. Alors on doit faire quelque chose d'autre, hein, à mon avis. Peut-être... Attendez, je sais qu'est-ce que je dois faire ici, vraiment. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça que je devais faire. Hop, voilà, et on part ici. C'est pas pourquoi faire, mais bon. Alors, Ah non, ça c'est pour Batou, donc c'est pas la peine, c'est pas pour moi ça. Mais ça peut-être c'est pour moi. Ouais.
Eh ben, on va aller refaire un autre piratage sans se tromper, ça serait bien. Allez. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Si je peux descendre, ça serait cool. Voilà. Ah, dommage. Voilà, ça c'est bon. On est bon là, et c'est le carré. Nickel, mes amis. On a réussi du premier coup. Bon, c'est pas difficile non plus. Hein. Non, mais grâce à ça, on a réussi à arrêter le monde. Et si la police faites plus un geste. Oh oh, quelqu'un a dû balancer notre super plan. On a déjà vu pire, non? D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que... X... Vous m'avez l'air d'un beau tas de mauvaises herbes. Alors, si je tire dessus, qu'est-ce que ça le fait? Non, ça le fait pas. Ah non. Appuyez sur rond. Ah oui, c'est bon. Voilà, donc il devient aussi transparent, ça c'est cool. Et on désactive en même temps. Alors ça, c'est mon niveau. Je vais pouvoir d'abord faire le ménage. Et on va pouvoir utiliser Eevee. Voilà. Ben les amis, on continue sur un autre bâtiment, qu'est-ce que c'est? Ah bon, ouais. Faut juste appuyer sur X. Ça c'est cool. Ah, on a quelque chose à casser. On va casser. Et on va essayer de voir pour construire. Nickel, en plus, elle le fait. Ce qui est obligatoire. Hein. Ah, on a besoin de Harley. Harley, s'il te plaît, Harley. Ouais, cool. Allez. Fais-moi ton petit speech. Bah va falloir monter maintenant mes amis. Boum, boum, boum. Hop là. Bah ça c'est cool. Alors faut pas descendre hein, maintenant. Parce que si on descend à mon avis, c'est mort. Et me connaissant. Voilà. Ah, puis elle le fait, elle aussi. Ça, c'est cool, elle nous fait notre petit graphique. Si. Oh, ouais. Et puis, les pièces bleues, ils apparaissent, hein. Nickel. Bon, il faut qu'on trouve un moyen d'accéder à cet ascenseur. Oui, mais c'est quoi, tout ça? J'y crois pas. Mais je connais ça. C'est le mais comment de nouvelle série télé. Avec un scientifique qui change de alors, corps toi, j'ai un lu. Chien. C'est ça, tout à fait ton ça va peut-être déjà aller. Ok, arrêtez. On reste concentré. On n'est pas hors de danger. Alors ça, peut-être plus, que si... J'ai toujours pas vu l'épisode de la semaine dernière. Non, ça ne marche pas. Il me faut... Toi. Non, ça marche pas. Bah si, ça va marcher. Voilà. Alors, petite construction. Je sais pas ce que c'est, mais on va aller voir un peu. Hein. Peut-être que de... Oh, d'accord, ok. On a trois objets à récupérer. Des fleurs, rouge, bleu. Titi. Ah. Non, j'ai peut-être pas une fleur ici. Pas de fleur. Bon. Ah, ça doit être apparent. Hein. Déjà. Eh, regardez. Il me faut 10 shots. Eh ben, on va le prendre. Hein. D'accord, ok. Donc, c'était un petit chemin à prendre. On va le prendre. Et... Il va nous faire le tour de la cuisine. Le tour de la cuisine? Ah non, même pas. D'accord, ok. Alors, j'en... elle est où, le poison de vie? Voilà. De 1 et 2. Donc, j'en ai déjà 2 ici. C'est déjà pas mal. 1 et 2. Voilà. Et le troisième, à mon avis, il doit être pas loin. Hein. Je me demande si... Je ne peux pas m'en servir. Oh non! Que
Que vont penser mes jonquilles? T'es où? Ce serait pas là-bas, non plus. Non, y'a rien. Oh, mais t'es où? Attendez, j'ai peut-être trouvé où quelle est la solution. Voilà, on va aller voir un peu par ici. Bah voilà, je m'en doutais, la fleur elle est ici. Voilà, eh, ils sont renards quand même, hein. Allez, poison. Allez, Ivy, c'est pour toi. Hop, et on va aller mettre le dernière fleur dans cette petite bonbonne qui va nous donner normalement une petite ouverture, j'espère. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, on doit aller là. Hop. Nickel. Tu m'ouvres. C'est cool. Allez, on y va. Appuyez tous, les mecs. Vous bagarrez pas. Allez. Voilà, alors je vais me mettre au bord. Bon, bah, mes amis, on a un très gros accueil, hein. Alors... Rendez-vous maintenant. Qu'est-ce que c'est de ça? Ah non, Y, on a besoin de toi. Alors, on va voir un peu. Comment on pourrait s'en débarrasser? Il nous faut une solution. On va où? C'est tout ça pour rien. Hop. Construction, on va voir, hein. Ça nous donne... Donc il nous faut Geetshot. Je sais pas où il est, Geetshot. Ah, le là. Voilà, et ça va nous donner. Voilà, alors, je sais... à mon avis, il a pas la carte. Non, ouais, non. Dans le mille. Nickel. Spirale. Je crois que c'est sûr que ça a marché. Pas le temps de s'extasier, on y est presque. Alors, je sais pas ce que j'ai débloqué, hein, mais... Ça doit être ça. Les commandes de l'écran ne doivent pas être loin. Alors, il me faut poison, il dit. C'est où le poison, il dit? Attendez, je vais voir un peu comment on le fait pour sa super attaque. La curiosité, mes amis, la curiosité. Alors... Ça, c'est... Ok. On va monter. Et on va appuyer sur le bouton. Ça va nous donner une petite barre. Place au spectacle. Mesdames, messieurs, bien le bonsoir. Écoutez, le syndicat des justiciers est une bande d'escrocs. C'est pas des héros du tout. Et moi, je peux le prouver. Peuple de Métropolis, les images qui suivent risquent bien de vous surprendre et de vous choquer. On vient tout juste de voler des trucs tip-top en provenance directe de Wentake. Monsieur J et moi, on vole pas n'importe qui. On vole seulement aux losers qui sont trop honnêtes pour voler les autres. Hein? C'est pas la bonne vidéo? Dites, est-ce qu'on peut vous aider, mademoiselle? Oh, toi et tes copains, vous n'êtes qu'une bande de gros imposteurs. Non, mademoiselle Quinn. Nous sommes les gentils, vous êtes les vilains. Vous mettez tous ces honnêtes citoyens en péril en semant le chaos à travers la ville. Et je parie que tout ça n'était en fait qu'une petite diversion pour dépouiller ces braves gens. Ah! Mais où est ma montre? Oh non! Ils ont pris mon collier! Non! Mon téléphone! De quel droit est-ce que l'on s'en prend au syndicat des justiciers? Nom d'un fichu traquenard! Où est Monsieur J quand on a besoin de lui? Eh ben mes amis, je sais pas, mais moi je sais qu'une chose, c'est déjà la fin de ce gameplay numéro 4 que j'ai encore adoré énormément. Harley et Ivy
Donc voilà, c'était le mode jeu libre, il a été déverrouillé, hein. On le fera plus tard bien sûr dans l'avenir, vous inquiétez pas pour les mini-kits, les briques rouges et tout ce qui s'ensuit. Eh ben nous on a fait pas mal hein, au niveau des pièces quand même. Les 5 mini-kits, on n'en a trouvé aucun. J'ai débloqué un hélicoptère, je sais pas ce que c'est, mais bon, on l'a débloqué, ou c'est peut-être l'histoire, hein, tout simplement. La brique rouge, qu'on n'a pas trouvé non plus, et... L'esprit, on n'a pas trouvé non plus, et la brique jaune, qu'on a trouvé une simplement. Pour le mode histoire déjà fini. Et on va aller voir directement les personnages. C'est le plus important dans ce premier gameplay qu'on découvre au fur et à mesure. Alors nous avons bien sûr Poison Ivy. Ah d'accord, ok, année 52. Et puis un personnage secret qu'on ne sait pas, mes amis. Eh ben, si vous avez aimé cette petite aventure, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Un petit commentaire pour suivre. Avec ce petit pouce bleu me fera plaisir aussi, mais moi je vais vous laisser en très bonne compagnie de la cinématique et je vous dis à ciao et à la prochaine fois. Bye! Bob, le docteur voudrait te voir. Encore une session sur le divan? Vous aimeriez d'autres tartes? Oh! Dites, elles sont à quoi? Ah. Oh! Bonjour, Joker. Lex, tu es un fantôme? Non, je ne suis pas mort. Rassemble un maximum de tes copains de cellules d'Arkham et rejoignez-moi dans le hall de la fatalité. Eh bien, je suis à court de tartes. Sors-moi d'ici et j'arrive dans la seconde. Parfait. Il te suffit juste de régler le téléviseur du garde sur la chaîne 52. Ah, ah. J'ai bien entendu, t'es prêt à te faire la belle? J'ai bricolé un pistolet réfrigérant avec du savon et des ressorts de lit.